Coucou les petits picas! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes cadeaux de Noël. Alors le Père Noël a été très généreux cette année comme toutes les années. Alors bien sûr c'est que du spécial Pokémon parce que j'ai demandé que du Pokémon. C'est pour ça que je vous présente tous mes cadeaux. Alors j'espère que vous avez été gâtés aussi. Moi beaucoup beaucoup de choses, je vais vous montrer. On va commencer d'abord par ce magnifique livre qui retrace les films Pokémon de A à Z, comme vous pouvez le voir sur la devanture. Franchement, il est très très joli. Alors déjà, rien que quand on l'ouvre avec toutes les Pokéballs en mauve. Alors, je vais vous montrer, admettons. Alors là, ils expliquent en fait beaucoup de lieux des films. C'est super bien fait. Alors je vais vous montrer un petit peu. Là, c'est le film avec Manaphy. Alors on voit les images, ils expliquent comment ça a été réalisé, les missions à faire, l'histoire, etc. C'est vraiment très très joli. Déjà rien que pour ce livre-là, on passerait des heures en fait à l'expliquer tellement il est joli. Alors après j'ai eu les amis, le magnifique coffret 8 Tempo. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu en fait, c'est la collection Galar. En fait il y a les 3 Pokémon Starter. Et en fait, dedans, il y a bien sûr des boosters des anciennes éditions. Bah, de la dernière, là, Soleil et Lune, c'est Éclipse Cosmique. Et deux autres, alors ça doit être Évolution, je crois, derrière. Et là, ça doit être Duo de Choc. Alors là, j'ai eu 8 Tempo par le Père Noël. C'est Zamazenta. Et on peut avoir Zacian aussi. Alors, j'essaierai de me trouver en magasin soit Flambino ou l'Arméléon. Parce que les cartes, là, changent. Parce qu'en fait, selon le starter, ça change. C'est super bien. Alors on a un nouveau pin, c'est une nouvelle carte si on a Zacian avec de la chance. C'est super bien, il est magnifique. Alors j'ai eu, parce que j'en ai eu, le magnifique, oh il rentre même pas, Guinfrex en peluche, il est très joli. Alors là avec son petit tag, hein, très très joli. J'adore en fait Guinfrex. Alors j'avais Ronflex mais pas Guinfrex. Et regardez la... La douceur, on le voit en fait au toucher à la caméra, très joli. On va le mettre sur le côté. Il ira dans ma bibliothèque à peluche. J'ai eu Rocabo. Oula, il est à l'envers. Il est vraiment joli. De chez Tommy, avec toujours le tag bien sûr, parce que tout est du Père Noël et tout est tout neuf. Il est très très beau. J'adore en fait les coutures, ils sont vraiment bien faites. Très joli. Ah oui, là aussi. Hop là. Alors j'ai eu l'histoire de Satoshi Tajiri, la biographie du créateur de Pokémon, bien sûr. Alors je crois qu'ils vont faire plusieurs tomes. J'en suis pas sûr, mais il est magnifique. Regardez comment c'est joli. Et ce qui est bien, c'est vraiment c'est son histoire, mais en manga. Et ça c'est super chouette. On va le mettre sur le côté. J'ai eu le manga Horizon, le 2. Alors pour l'instant, je suis à jour dans tous mes mangas. J'ai tous les mangas sortis Pokémon. Très joli. Et pour terminer, comment dire, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est, vous n'allez pas trop le voir, c'est Evoli en lampe LED. Parce qu'elle est tellement grande. Alors, je vais vous la mettre là. Même si on ne voit pas ses oreilles, je vais vous montrer. Bien sûr, il y a, comment dire, la télécommande, et regardez, alors il s'allume, là c'est pour l'intensité, et si vous voulez, en fait, selon le programme, je sais pas si vous allez voir, là, ah si, regardez, il s'éteint et se rallume, ou il peut rester tout simplement, juste, si j'appuie là, allumé toute la soirée, et là, off pour l'éteindre, ça fait trop beau la nuit, je le mettrai sur ma tour à CD, parce que j'ai une belle tour qui fait de la musique, si vous voulez, je le mettrai dessus, magnifique. Alors malheureusement, on ne le voit pas entièrement à la caméra, mais bon, regardez. Je vais remonter la caméra, voilà, vous voyez qu'il est vraiment très très grand. Alors j'espère que ça vous a plu cette vidéo, franchement j'étais super gâté, c'est des super beaux items pour compléter ma collection. Je vous fais de gros bisous, à très vite les petits Pika, et surtout, n'hésitez pas à marquer en commentaire les cadeaux que vous avez, que ce soit Pokémon ou non. Bisous, bye!